Je crois que la, l'élément essentiel de la condition humaine est le sens du sacré. Que les voyages ont lieu concomitamment dans le temps et dans l'espace. Un paysage, une rue, un événement ont certes leur fraîcheur et leur charme, mais ils déclenchent en même temps d'innombrables souvenirs. Le souvenir d'un regard, d'une conversation ancienne, d'une mélodie depuis longtemps oubliée. D'une certaine manière, quand je parcours des espaces géographiques familiers ou inconnus, je voyage en même temps dans le passé, dans ma propre histoire. De me sentir étranger à moi-même. Et je me sens alors pleinement heureux. Sur les bords de la Seine, entre le Châtelet et le Louvre, je revivais des moments isolés de mon passé. Je revivais des moments isolés de mon passé, comme cet automne si long, et dans mon souvenir, incomparablement beau. Il semblait commencer une vie nouvelle. Même Paris me paraissait neuf, alors que je le découvrais au cours de mes longues promenades avec Christinelle. Spirituelle qu'avait assombri l'exil et l'histoire des dernières années. Mircea Eliade est né en Roumanie, à Bucarest, le 9 mars 1907. Tout jeune lycéen, il publie déjà de nombreux articles scientifiques et littéraires. Après une licence de philosophie, il part, à 21 ans, pour les Indes. Durant 3 ans, Eliade étudie le sanskrit à Calcutta, avec le professeur Dasgupta, et dans un ashram himalayen, pratique le yoga avec Shivanamanda.
De retour en Roumanie, il soutient son doctorat de philosophie et devient, en 1933, l'assistant universitaire du grand philosophe Nae Ionescu. Les cours d'Eliade portent aussi bien sur la métaphysique d'Aristote que la philosophie indienne ou celle de Nicolas de Cusa. En 1940, Mircea Eliade quitte Bucarest pour Londres, puis Lisbonne et enfin Paris. Invité par Georges Dumézil, il va donner, dès 1945, des cours à l'École des hautes études. Il publiera ensuite le traité d'histoire des religions, technique du yoga, le mythe de l'éternel retour. Eliade prend part aux rencontres d'Ascona autour de Jung et, accompagné de son épouse Christinelle, participe à de nombreux congrès qui le feront voyager de Tokyo à Uppsala et de Sydney à Mexico. Invité à l'université de Chicago en 1957, il y devient directeur du département d'histoire des religions. Docteur honoris causa d'une dizaine d'universités, membre de 5 académies, Mircea Eliade va accomplir son œuvre par la direction de l'Encyclopédie des religions, somme monumentale en 16 volumes, rédigée par 1500 chercheurs et universitaires. Mondialement reconnu, auteur d'une quarantaine d'ouvrages traduits en 16 langues et d'une vingtaine de recueils de nouvelles ou de romans, Eliade renouvelle presque toutes les sciences de cette fin de siècle, de l'histoire des religions à l'anthropologie, comme de l'épistémologie à la philosophie de la culture. La grande découverte a été, et ça c'est l'œuvre du XXe siècle, la découverte de la cohérence, de la noblesse, de la logique interne, et de la structure métaphysique des cultures archaïques, des cultures soi-disant primitives. Il y a encore 50 ans, des grands savants anthropologues comme Fraser, par exemple, considéraient les sociétés traditionnelles primitives comme des sociétés vraiment, sinon arriérées, infantiles. Tout ce qu'elles faisaient s'expliquait par la magie, par des superstitions. Et à la suite des travaux plus profonds et plus systématiques. La fascination du voyage tient au nombre de temps personnels que l'on réactualise. Quand je pénètre dans une cathédrale, je ne sais jamais si j'y retrouverai le souvenir d'autres sanctuaires vus jadis. Si je me surprendrai en train d'écouter une mélodie ancienne, une conversation depuis longtemps oubliée. Comme les monuments, les livres sont pour moi du temps concentré. Je me rappelle ces matins de 1925, quand j'avais découvert I Misteri de Raffaele Petazzoni, et que je me lançais dans l'histoire des religions avec la passion et l'assurance d'un garçon de 18 ans. L'historien des religions doit, en son domaine, chercher ce qui résulte de la rencontre de l'homme et du sacré, c'est-à-dire l'homo religiosus, l'homme religieux, comme affirmation de l'homme accompli. Pour moi, la discipline, l'histoire des religions, révèle ou nous révèle vraiment l'homme total, dans ce sens que on découvre une dimension spirituelle, même chez les peuples les plus archaïques, qui se continue à travers toute l'histoire des religions. D'abord donc une sorte de réalisation presque expérimentale de l'unité du genre humain, non en tant qu'espèce biologique, espèce zoologique, mais en tant qu'être humain, esprit. C'est le même esprit
qui travaille et qui crée en Australie, aussi bien que chez les derniers mystiques et théologiens de l'Occident. La culture occidentale souffrait d'un certain provincialisme. Tout commençait avec l'histoire de l'Ancien Orient, et puis venait la Grèce, Rome, et puis l'histoire de l'Occident, l'histoire culturelle, spirituelle, mais aussi l'histoire de l'Occident. Je crois que la découverte des sociétés archaïques, des soi-disant primitifs, a joué un rôle considérable dans l'ouverture de l'esprit pour nous, intellectuels de l'Occident. L'expérience de cette découverte a des conséquences existentielles pour celui qui découvre cette unité, cette noblesse, cette valeur. On peut comparer l'étude, l'herméneutique des faits religieux à une sorte de métapsychanalyse, dans ce sens que... Dans ce sens que la méthode herméneutique, c'est-à-dire la recherche des significations que tel phénomène religieux a eu à travers le temps, et qui n'était pas évidente, cette méthode transforme le chercheur. Après avoir compris à travers l'effort herméneutique un système de pensée qui d'abord, même pour l'historien des religions, est opaque, après avoir compris quelque chose de changé, quelque chose de plus profond, se révèle dans la psyché, dans l'esprit du chercheur. On se transforme, on s'anoblit, au fur et à mesure de cette découverte. C'est pour ça que je considère la discipline d'histoire de religion une discipline majeure et très importante pour découvrir les autres. Je me disais en fait que l'homme, et même l'homme européen, n'est pas seulement celui de Kant, de Hegel ou de Nietzsche. Je sentais surtout qu'on ne peut comprendre la destinée humaine et le mode d'être spécifique de l'homme dans l'univers sans étudier tous les aspects de l'expérience religieuse. Eh bien, je crois que je suis devenu historien de religion, surtout à la suite de mon expérience indienne. J'ai compris l'énorme importance du symbolisme, non seulement dans la vie religieuse, cultuelle des hindous, mais dans leur vie totale, surtout au niveau rural, dans les villages. Et d'autre part, j'ai été fasciné par la richesse, non seulement littéraire, disons, fantastique, du folklore ou de la vie, de la littérature,